m'étonne pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vas-y Phil. Attends, je vais régler le volume pour que ça se tienne en dessous là. Moi je m'entends. Vas-y, là c'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon pour moi là. Bah voilà. Ok, audio réglé. Caméra synchronisée, audio lancé, le moteur tourne, le GPS est on, SDVFR, elle est active, elle nous a bien positionné au départ. Donc la première roue de fil avec la verticale, c'est un 256. Bon, 18 nautiques, 16 nautiques, 17 nautiques. Oh, bah, je te laisse faire, je suis pas carte. C'est bien ça, Pascal ? Sur blanche, c'est ça? Pas tout à fait, mais presque. Pascal, t'as assez de place? Ouais, c'est bon, merci. Déclencher le son, tu vois. J'avais vérifié mais pas déclenché. Heureusement, j'ai re-regardé, merci. Mais là, je pense qu'on va pas m'entendre à la radio. Là, je m'entends pas. Non. C'est pas bon. Et ça me l'a fait tout à l'heure avec le casque. Attends, bouge-toi. Est-ce que c'est pas lui qui nous fait chier, là? 1, 2. Je t'entends bien, là, mais... Ouais, mais je sais pas trop. Ouais, Patrice, tu me reçois sur 123.45? Ça m'a fait la même chose ce matin, quoi.
1-2, 1-2, 1-2. Ouais, si c'est bon. 1-2. Pas sûr. 1-2, 1. Tu me reçois, Patrice, ou pas? Non, ça a l'air d'aller pourtant, je m'entends. 1, 2, 3. Merde, putain, je suis con ou quoi moi? Allez, 1, 2. Bon, là je suis sur une fréquence poubelle à 123,45. Attends, 1, 2, 3. 1. 1. Non, si ça a l'air d'aller. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1. Bon, on va voir. Par 123,45. Ouais, c'est une fréquence poubelle en fait, c'est pour communiquer avec l'avion d'à côté. On sera, non, sur le COM 2 on passe sur 123,45 et en commun on est sur la fréquence d'ici. D'accord. Alès, Fox Tango November, rebonjour. Fox Tango November pour un essai radio, comment vous me recevez? Ouais, on te reçoit 5 Tango November. Merci beaucoup, bon vol, à bientôt, au revoir, merci. Allez, c'est parfait. Tu montes à quelle altitude initialement? Oh, 4500 pieds, on va faire Ganges, Navacelle, Millau et on se pose à Mende pour midi. Pourquoi tu vas si haut? Ouais, 3000, moi j'avais marqué. Hein. Ah, 3000, ok. 3000. Là, au départ. Vous voulez pas faire des photos? Bah, si. Si. Je croyais pas que c'était Patrice. Bah, c'est pour faire enrager Pascal. D'accord. Non, aujourd'hui je fais pas de photos, je filme. Bon, ben on est bon. Allez, ça c'est réglé, ça c'est réglé. Alors, oui, la fréquence, merde. Donc là, c'est la fréquence d'ici d'Alès, 130 ouais. décimales 2, d'accord. Donc nous, on va évoluer dans un environnement où il y a un SIV, une information de vol, tu vois. Mm-hmm. Et là, le SIV, nous, on est à l'Alès. Et ici, je vais plier la carte parce qu'on va sortir de suite. On va être dans cette zone-là. D'accord. Et cette zone-là, en fait, c'est le SIV de Montpellier, tu vois. Ok. Voilà. Et le SIV de Montpellier va de la surface au niveau 145 sur 134, 375. 134. Donc on va régler 134, 375, pas peine d'attendre d'être en vol. Oui. Puisque c'est la prochaine fréquence qu'on va utiliser. Au moins elle est prête en stand-by, en stand-by on n'aura plus qu'à basculer, on y sera dessus. Voilà. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Et puis on va la garder quasiment ben, jusqu'au bout, parce qu'après, quand on arrivera à Mende, on passera sur la fréquence de Mende. D'accord. Et la fréquence de Mende, c'est 119,6. 119,6. Voilà. Et ça, ça fera l'objet de un briefing au moment voulu. D'accord. Bon, allez, putain, il fait chaud là, enculé, quand il fait chaud là. Ouais. Allez, hop. Donc t'avais vu l'issue de la première branche, le passage au niveau de la montagne, on va dire? Pas trop, non. T'as pas trop? Bon. Tu me guides. D'accord. Bah, de toute façon, j'ai SDVFR. En fait, le truc qui va se passer, c'est qu'on va arriver à Mende, on sera au-dessus du 3000 à peu près. C'est ça. Voir, on peut descendre 2800 en dessous, pour avoir pour passer 150 mètres au-dessus du col. Ouais. L'idée étant qu'à un moment donné, tu vas avoir un mamelon sur ta droite à 3100. Ouais. Et un sur ta gauche à 3100 aussi. Ouais. En face de toi, sur ton avant gauche, tu auras ça en remont de Codière. Ça ouais. fait un col en fait, d'accord? D'accord. Et passe devant Philippe, c'est pas en premier, comme ça je te rattrape après. Ok. Et sur ce col, tu verras, t'as une église et t'as une tour. Ouais. Donc quand tu vois l'église et la tour, tu la laisses bien à ta gauche et tu passes 500 mètres sur le col qui est à droite en fait. Ok. Et à ce moment-là, si on est à 2800 et qu'on peut perdre un peu d'altitude, c'est nickel. D'accord. Bon, ça va dépendre du vent, tout ça. Ouais. Si tout est bon, on descend. Voilà. Sachant que 2800, c'est l'altitude minimale. Ouais. Au niveau du col. Après, on peut se permettre de descendre jusqu'à 2500 si on veut. Et okay. après, de toute façon, on fait le passage et en grand virage sur la gauche qui nous amène vers Ganges. D'accord. Et après, on remonte, hein, bien sûr. À l'est de Tango November, on roule au point d'attente de la piste 19. Bon, allez, c'est parti. Bah ça chauffe hein. Ouais mais tu vas voir en l'air après avec l'air frais, il va faire bon. C'est pour ça qu'au sol il faut pas hésiter à ouvrir les fenêtres parce Et que oui. putain sinon tu boules là-dedans quoi. 4 minutes. Bon le vent est faible, c'est parfait.
part sur la 19 alors? Ouais, d'accord, bah c'est nickel. Alors, c'est... Là, il y a 10 minutes d'intégration quoi. Si on part là, il faut faire le tour. Ouais. Le vent est faible, bon, la piste monte un petit peu donc. Pour un décollage sur 5. Allez, sur un plateau là, la piste. Ouais, mais tu vas voir, elle monte. Elle a monté la piste. De toute façon, la première route, c'est à 256 degrés. D'accord. Tu laisseras Anduze sur la droite. Ok. Saint-Hippolyte-du-Fort à gauche. Ouais. Bah, tu me diras quand on sera à Saint-Hippolyte-du-Fort. 175. Ok. Bah, si tu connais Saint-Hippolyte-du-Fort, quand tu le vois sur ton avant-gauche, c'est qu'on n'est pas loin du premier point. Ça roule. Fox Tango Novembre, point d'attente 19. On remonte la piste 19 et on s'aligne. Allez, c'est parti. Allez, Fox Maïsana, on roule le point d'attente 19. Donc là, tu vas sentir le truc de... Dans la vie, les pistes, elles sont pas plates. Ça n'existe pas, les pistes plates. Hein. Oui, il y a des... Il y a toujours, tu vois, là, elles montent. Hein. Ouais. De l'autre côté, tu vas voir comment elles montent aussi. En fait, sur que ce soit FSX ou P3D... Il y a des irrégularités. Et on est tellement formaté sur des pistes plates qu'on a l'impression qu'elles le sont toutes. Alors évidemment, on voit toujours les altis, les trucs qui montent très fort, mais... Même à Avignon, la piste, elle monte un petit peu. D'accord. Là, ça monte légèrement, là. Voilà. Bah, c'est sûr que ça change du style. Hein. Ah, c'est différent. On aura toujours que la finale soit dégagée, qu'il n'y ait pas un avion en détresse sans radio qui vienne se poser. Ouais, ouais. C'est pas parce qu'on n'entend rien à la radio que... Voilà, tu vois, la piste elle descend et remonte, surtout elle remonte. Alors, on est aligné. On attend que le compas, tu vois, le compas il n'est pas juste, hein, il a une erreur. On est au 200 alors que là on est à 190, il y a 10 degrés, ah oui. Il y a 10 degrés d'erreur. Pardon, voilà, là je recale mon conservateur de cap. Tu recalibres. Ouais. Là on est bon, allez, c'est parti. Alès, Fox Tango Novembre, on est aligné piste 19, on décolle. Allez, c'est parti. On fait monter la puissance. Hein. Allez, c'est parti. Go! Bon, la puissance est affichée. Il est 10:44. Le banner est actif, pas d'alarme, on poursuit le décollage. De rotation. Donc, on y va doucement, on est chargé. On fait un petit palier pour laisser prendre de la vitesse. On tire pas, sinon la vitesse elle se tombe. D'accord. Et on tombe. Il faut aller chercher, faut tout. Hein. Ouais, ça monte. Oh, ouais. Un Dario de 400 pieds. Le village est interdit de survol. Village classé, on vire à droite. D'accord. Donc Vézénobre. Voilà, ça y est, on a passé le plus dur, on rentre les volets. On récupère de la vitesse. Ouais. Maintenant on va prendre l'altitude. Oh, c'est magnifique, hein. Tu vois, un terrain comme ça, c'est pas dangereux. Et si on avait tiré, on aurait décroché, on tombait dans les arbres. Hein. C'est ça, ouais. Donc la règle c'est de la vitesse, il faut de la vitesse. Là c'est notre survie ça. La vitesse de croisière c'est combien? 80. Ou à 100 nœuds. Oui, voilà. On va être à 100 nœuds. Alors tu m'as dit 256? Ouais. Voilà. Ouais. Hop. Voilà. Bon, SDVFR il a pas suivi le... Il suit pas là. Ouais mais Patrice il va nous rattraper, tu vas voir. Et là il doit lui faire un petit coup. Le connaissant. 200 pieds. Qui c'est qui a le manche là? Qui c'est qui a le manche, Eric? Ah, Eric. Fox Tango Novembre d'Alès, on est en montée, 1500 pieds. On quitte le circuit. Bonne fin de journée, au revoir. Il est sur Véloc. Hein. Hein? La calé sur une... Là on va aller chercher le 260 degrés. Ouais. On continue à monter. Fox...
Mike Sierra, on remonte la piste 19. Ah, c'est bien, c'est la radio. Royal. Alors. Après, je te laisserai les commandes. Pour l'instant, on fait la montée. C'est le plus chiant. Donc, tu vois, le premier truc qui vient à l'esprit, ouais, par rapport à la simulation, c'est que ça remue, quoi. Ah oui, c'est ça, t'as pas le... Total ça remue, ouais. Voilà. Donc il faut que le corps s'acclimate, hein. Les premières minutes, c'est pas toujours facile. Hein. Ça, ouais. On prend le cap de 160 pour l'instant, c'est ce qui a été demandé. Ouais, je sais pas pourquoi, il m'affiche pas le vol, là. La tablette, elle prend pas, là. Oh, ça va. Ah, ça y est, c'est bon. Ok. On va passer avec Montpellier, là. Montpellier, Fox Tango Novembre, bonjour. Et on s'en va. Ah, ok, j'ai compris, c'est qu'en fait. Tango Novembre, salut, bonjour. Oui, bonjour monsieur, Fox Golf Bravo Tango Novembre, c'est un 172 en provenance d'Alès. On vient de décoller, destination demande, on va faire le tour des Cévennes par le secteur Navacelles, Millau et sûrement l'arrivée. On transponde 70-00 et nous sommes un 16-172 avec 3 personnes à bord. A été libéré par Marseille Info. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on a été libéré par Marseille Info? T'as pas dit qu'on a décollé de tôt, c'est pour ça. Fox Tango Novembre. Oui, Tango Novembre. Alors, rappelez en entrée de SIV de Montpellier, s'il vous plaît. Et je vous invite à contacter Marseille Info, 120 décimal 55 à tout à l'heure. 120 55 avec Marseille Info. Ouais, les mecs, il a eu. Montpellier sur écho, on fait très sur 360 droite, c'est dans 360. Marseille Info, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Tango Novembre, Marseille, bonjour. Bonjour monsieur, Fox Golf Bravo Tango Novembre, Cessna 172, 3 personnes à bord en provenance d'Alès, à destination de Mende. On va transiter le nord de Montpellier via le secteur de Millau et on est en fréquence avec vous, transpondons 70-00. Monsieur, j'ai contact radar sur vous, j'ai pas d'appareil détecté à vous signaler pour l'instant et pas de zone active. Eh bien, écoutez, on reste en fréquence avec vous en attendant de passer après avec Montpellier. Bah, j'ai personne devant vous, donc à la limite, si vous voulez passer avec Montpellier, déjà présent, ça me pose pas de problème. Bah, c'est ce que j'ai fait, ils m'ont renvoyé vers vous, donc bon, je m'exécute. Bon, on va pas les taquiner, alors restez avec moi et je vous reprendrai après. C'est sympa, merci monsieur, à tout à l'heure. Ah si, c'est joli là. Donc il s'agit du travail sur l'axe. Y'a un petit charité et un prix, rappelez ça. Alors tu vois la radio c'est pas toujours le top 2 hein, de... c'est pas TeamSpeak hein. C'est pas TeamSpeak. Donc là on va s'enfoncer dans les Cévennes. Bon, j'ai compris ce qu'il fait. J'ai compris c'est que lui il capte pas le GPS en fait. Ah ouais. Il l'a capté à un moment donné puis il l'a lâché. Faux de Fox Carico, bonjour. Donc là on est en vrai dans le fil. Carico, Marseille, bonjour. Ouais, comme quoi tu vois. Juliette Delta, Carico, c'était deux personnes à bord. En fait, tu te rends compte que tu peux pas toujours tout miser sur le GPS. Tu vois, si tu mises tout sur le GPS, tu vois, là il capte plus. Bon, lui capte. Sur vous. Par contre, Beaune, vous pouvez me donner la mise à ton emplacement, s'il vous plaît. Tu sais, les tablettes, les téléphones, c'est toujours. Je l'ai mis ailleurs, ça marche. Ok. Alors. Golf Fox, c'est bien pris. Tu vois le relief là-bas, là. C'est le pixel long. Attention, l'activité par axe. D'accord. Oui, on évitera la verticale de gap, Fox, c'est Carico. Donc là, vire un peu plus à droite, 10 degrés sur ta droite. Voire même 15 degrés à droite. Ok, c'est bon, là, t'es dessus, là. 5 minutes. Il faut passer là, le col là. Marseille Info, Fox Alpha Juliette, rebonjour. Légèrement à gauche. Et le col qui est là-bas, tu veux passer? Alors, entre les deux, ah, je sais pas, là je vois pas de derrière donc. Bon, si vous êtes chier, on peut faire là. Là, il y a un col là. Oui. On va maintenir 3005 pour l'instant. Marseille Info de Fox Sierra Papa, bonjour. Voilà, tu vois, on a un vario à zéro, on maintient 3500 pieds. Marseille, bonjour.
80% c'est la vitesse de croisière. Marseille 1, c'est le tir. 80% 2100 tours, ça fait 100 nœuds. Oui. On a 93 nœuds en vitesse seul. Ça veut dire qu'on a 10 nœuds de face. Hein. D'accord. Et en plus, là, on va se choper les, on va se choper les rabattants. Hein. C'est l'indication du vent ici. Hein. Ouais, non, c'est le nord, ça. Ah. On n'a pas, ouais, pas de détecteur de vent. Maxira, derrière, il en a un, ouais. Sinon, on l'a pas. Okay. Donc là, il irait 10 degrés à droite. Le col, le premier point tournant à 4 minutes. Ouais, je le vois là, le col. Hein. En fait, ouais, c'est ça. Donc, on doit avoir une dérive comme ça. Voilà. Donc, en fait, tu vas avoir un mamelon sur ta gauche, un mamelon sur ta droite, à 3100 pieds. Ouais. Entre les deux, tu as le col légèrement à gauche avec la tour. Bah, c'est là. Voilà. Et toi, juste à droite de ce col-là, tu as encore un autre petit col. Bah, c'est celui-là qu'il faut prendre. D'accord. Ça va, il n'y a pas trop de turbulence quand même. Pour l'instant ça va, mais là-bas on va se faire branler là. Ah oui. Ouais, parce qu'on a un vent d'ouest, donc on va prendre des rabattants là. Au fond c'est la Méditerranée hein, que tu vois. Hein. Ah ouais. J'entends à peine la radio. Je suis à l'escale Aubenasson, 5000 pieds, et je voudrais une route directe vers Villefranche si possible. Alpha Juliette, vous contactez Lyon Info sur 135.2. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Lyon Info 135.2, merci, au revoir, Fox Alpha Juliette. Ouais, c'est la Méditerranée, à gauche c'est Aigues Mortes là-bas. On voit les marées salants. Ah oui. Vous êtes 3 minutes, légèrement sur sa droite. Ok. Ah bah là, il y a 7 là-bas. Papa Marseille, vous pouvez me donner votre type d'appareil s'il vous plaît? Bah tu vois là, oui, la cible qui est à droite là, ça doit être celle dont je te parlais. DR250. C'est bien pris, vous êtes fiché 7 000 au transpondeur. Oui, 7 000 au transpondeur. Ouais, c'est ça, il y a le 3100 qui est à gauche là. Et nous on va aller légèrement sur la droite. Premier autre en gauche, je vous écoute. Ouais, 10 degrés à droite. Hein. Ouais, voilà, ah, c'est ça. Passe avec Dino et je vous souhaite une bonne journée. Ouais, c'est le col qui est en dessous à droite là. On prend comme ça et ensuite en gros tu tires de 30 degrés sur la droite. Donc, tu veux partir comme ça? Comme ça, 30 degrés tu vois. On arrive comme ça, tu prends comme ça. D'accord. Et ils seront juste en dessous quelque part, voilà. C'est la vallée qui est juste à ta droite là. D'accord. Enfin je pense hein. Ça pourrait être ça. Mais tu vois là. On commence à avoir des rabattants là. Ouais. Là, on l'a en pleine face là. Ah on le sent bien là. Tango novembre Marseille. Oui Tango novembre. Là maintenant vous êtes à une minute de zone de Montpellier, je pense pas qu'ils vont vous refouiller, donc ce sera Montpellier Info 134-375 et je vous souhaite une bonne journée. 134-375 avec Montpellier c'est ça? Je reçois 3 sur 5. Unité 3-4 décimale 375. Oui c'est bien pris, merci monsieur, bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Je confirme, c'est les petites maisons qui sont à droite là. Si tu peux prendre 20 degrés à droite, c'est bon. Voilà. Donc là, c'est le col dont je te parlais. Et ils sont en dessous là. Tu veux poser là? Voilà, voilà, juste ça, voilà. Ok, bah c'est bon, tu gardes cet axe là, c'est nickel. Et moi, je les ai dans le cadre. Dans quelle alpha votre altitude? Ça brouille en quelle alpha? Viens. 4500 pieds, je suis descendu un poil, je remonte. Vous voulez quelle altitude? Voilà. Et en Kialfa, 4500 pieds, je souhaite au niveau 65 si possible. Suivi en Kialfa pour suivre 4500 pieds. 4500 pieds, je sais pas. Donc c'est grand voilà. Là-bas. Vire à gauche maintenant, prends à gauche léger. Fox Juliette Golf, fin des évolutions pour retourner vers le terrain. Fox Juliette Golf, maintenez 3500 pieds, QNH Montpellier 1017, contactez le Montpellier Tour, 118 décimales 2, à bientôt. Juliette Golf, Fox Juliette Golf, en bas. Ouais, ben ça bouge pas, c'est... Mais faut prendre gaffe, parce qu'ici, quand on sera sur le plateau là-bas, après tu pourras le prendre la manche. Tu seras plus tranquille, parce que là tu vas être un peu stressé, ça bouge un peu. Oui.
ça bouge, c'est imprévisible en fait, c'est ça qui voilà, on est passé. Ok, maintenant tu suis, donc là à gauche t'as Sumen. Ouais. Tu vas à gauche vers là-bas, tu restes au Sumen. Tu vas aller sur vers sur ta gauche, Sumen. Voilà. Ah ben là-bas ça doit être Gange. Ok, tu vois Gange à droite là-bas. Tu vas aller chercher ouais. Gange. Ouais, ouais, ouais. Ok, alors attends, voilà. Très Golf, quittez la fréquence, vous vous rappelez en pénétrant ouais, la gauche. Ouais, je dois rester à gauche. Vous n'assurez pas le SUV, Golf. Là vous êtes avec Marseille Info, si vous le souhaitez, 120 décimales 55. Et Montpellier, 9 fois que vous avez formé au Mac, bravo, bonjour. X-Ray Golf, vous avez reçu 120 décimales 55 avec Marseille Info à tout à l'heure. Ouais, c'est bon, Phil, on est parallèle. On est parallèle. On est au Mac, bravo Montpellier, bonjour, identifié radar. Maintenant, niveau 9-0, vos intentions chez nous? Eh ben, Mac, bravo, c'est pour un complet, un départ cet après-midi vers 15h. Je suis Mac, bravo, route au sud pour une les Zoulou 30 droite, maintenant niveau 9-0 initial. Route sud, Mac, bravo, pour une LS 30 droite, on maintient 9-0. Oslut, Oslut, Oscar, Sierra, Lima, Uniforme, Tango, Oslut. Oslut, Mike Bravo. Donc ça, le village, c'est Sumen. Ok. Sumen. En principe. Et là, c'est Gange devant, hein, tu ouais. Vois. Ok. Montpellier, Fox, Tango, Novembre, rebonjour. Tango, Novembre, rebonjour. Vous êtes en plein dans la D192. Je vous suggère de monter un petit peu plus haut, s'il vous plaît. Eh bien, on va monter un petit peu plus haut, sûr. Bah, tu vois, allez, ça novembre, donc QNH Montpellier 1017. QNH 1017. Atmosphérique. On est Montpellier de Fox, Mike Sierra, bonjour. On doit être pile poil dans la zone. Mike Sierra, Montpellier, bonjour, je vous écoute. Oui, c'est un Piper PA28 Fox Hotel Echo Mike Sierra de Alès à Mende. On est derrière le Fox Tango Novembre et on répond 7000 pour transiter. Je suis Mike Sierra, donc je vous informe D192 active jusque 5500 pieds QNH Montpellier 1017, donc poursuivez le transit et transpondeur 5441. 5441 544 unités QNH Montpellier 1017. 5441 1017 pour Mike Sierra. Tango Novembre 5442 pour le transpondeur. 5442 Tango Novembre. Montpellier, Fox Golf, Papa Hotel Tango, bonjour. Ah putain. Fox Golf, Papa Hotel Tango, Montpellier, bonjour. Ils sont niqués les Fox Golf, Papa Hotel Tango, un Cessna 172 de Muret vers Montpellier-Cantinargue. Et on est au niveau 65, 7000 transpondeurs. Ah ouais, je vois où on est. Ensuite, ouais. Papa Hotel Tango, transpondeur 7050. Poursuivez le transit, QNH Montpellier 1017. 1017, 70-50 au repondeur pour Camilla. Ouais, okay. On passe les as-bas là. Et Montpellier, Fox, Mike Sierra, j'ai cru comprendre que les D92 étaient actifs, on va monter à 5005. J'ai reçu Mike Sierra, monter 5500 pieds, vous rappelez stable. Et ouais, t'as pas le choix. C'est stable, Mike Sierra. Donc Gange, c'est à gauche, et 55, 5500 pieds pour Tango Novembre. Monsieur, rappelez Atteignant. On appelle Atteignant. Là, ça fait partie, tu vois, en simu. Fox Golf Romeo Mike Bravo, descendez à altitude 5000 pieds, QNH Montpellier 1017. 1017, 5000 pieds, Mike Bravo, merci. On va rester sur le track, mais on va monter. Allez, on va monter. Sur un coup, on va s'établir en cap 240, dernière gauche. Reçu. Vous voulez nos intentions à chaque fois? S'il vous plaît, ouais. Merci. Et Montpellier du Mike Bravo? Oui, je vous écoute. Juste pour nos intentions après l'ILS 30, ça sera un toucher, si possible un tour de piste et le complet à l'issue. Reçu, Mike, bravo. Bonjour Novembre, je vous suggère de prendre une route à l'ouest, s'il vous plaît, là vous êtes en plein dans le boyau là, de la zone d'activité militaire. Oh, il nous casse les couilles, hein. C'est bien pris, Tango Novembre. Fox Hotel Echo Max Sierra, transpondeur 5-4, 4 unités. 4, 4, 4, 4, 4. C'est typiquement le cas d'un contrôleur qui est vachement ah oui, oui. Ouais. Limite un peu quoi. Ouais. On sort de la zone là. Avec le cirque de Navacelle est à gauche là-bas. Mais ouais, c'est ça. Bah oui, mais il me dit d'aller à droite moi. Ouais ouais. C'est le problème hein. Alors ce que je comprends pas c'est j'ai pas compris la zone active là. En fait, on l'a passé, on est sorti là. Fox Golf Charlie Sierra Echo, transpondeur 7060.
0-6-0, ça fait chier. Ah oui, d'accord, mais si on y retourne, on peut pas commencer. Poursuivez la descente, altitude 4000 pieds, QNH 1017. 4000-1017, Mike, bravo. Ah ouais, le cirque, il est là-bas, quoi. Ça y est, il est derrière nous, maintenant. Ah ouais, ouais, mais c'est baisé, hein. Bah ça dépend, tu demandes, tu peux prendre 30 degrés à gauche vers Navacelle. Et celui qui est là. Oui. Bah si je monte à 5007, après j'irai où je veux. Ah bah après, ouais. Parce qu'il va pas me la laisser traverser la zone, hein. Ah je vois où on est là, ouais. On va y retourner, hein. Bah de toute façon, on sait où il est maintenant, donc... Même si on reste à 5000 ou 5005, c'est pas un problème, on le verra. J'ai regardé hier, il y avait rien d'actif aujourd'hui. Hein? Il y avait rien d'actif aujourd'hui. Bah si, la SBA elle est active. Hein? Bah il y a un truc que j'ai pas compris alors. Bah ouais, parce que j'ai regardé, moi les notables, il y avait rien marqué. Hein? Ah ça fait chier quoi. On fait l'approche de Goudet, Fox Hotel Delta Delta Echo, Cruising 7790. Taïko, on peut l'approche. Bonjour, je vais identifier maintenant flight level 80, route Basli, initialé. C'est route Basli, elle est pourrie la radio. Route Basli, d'en Afrique. Basli, d'en Afrique, Fox de Taïko. On entend, on entend. J'essaie de monter le plus vite possible. Normalement on monte à 89 là, je suis vraiment à la limite. C'est vraiment à la limite hein. Ah ça y est, on y arrive. Bon ben voilà, le cercle Navacelle est à gauche. Ok. Fox Tango Novembre, on est stable, 5500 pieds. Est-ce qu'on peut faire un virage à gauche pour survoler le cercle de Navacelle en restant au-dessus de 5500 pieds? Ensuite, Tango Novembre. Merci monsieur. Allez, ouais, prends le large, hein. va un peu plus loin là-bas encore parce qu'il est juste à gauche là. Voilà. Ouais c'est bon, arrête de virer, je l'aurais plus sinon. Echo pour un virage par la droite, cap 060. Reçu, Sierra Echo. Bon. D'accord. Ah bah du coup c'est plus stable hein, forcément. Oui. On est où? Bah, dès que t'es sur les reliefs, c'est... Forcément, on va être plus à l'aise. Là, il y a quelques petits nuages de rien du tout, là. Putain, la radio, elle est dégueulasse aujourd'hui. Delta Echo, Delta Echo, je pense pas qu'on m'a fait comme ci. Vas-y, continue tout. Là, c'est les gorges de l'Hérault qu'on voit. Tu vois? Les gorges de l'Hérault, d'accord. Voilà. Bon, derrière Renault, tu vois comment ça fait, là? Là, le cirque de Navacelle. Alors, le cirque de Navacelle, on y arrive ou quoi? Ouais, c'est ça, il est en dessous, là. Ah, c'est celui-là, d'accord. Il est en dessous dans l'aile, là. D'accord. Et pour ça, on est bien placé, là, on va pouvoir l'admirer tranquillement. Dans 80 secondes, 90 secondes, tu pourras virer tranquillement à gauche. Large, très large, 10 degrés max. Ce Mike Bravo, pour ceux la descente 2000 pieds, QNH 1017 autorisé à approcher LS Zulu 32. Voilà, c'est ça là. On poursuit le centre d'appel, autorisé à approcher LS Zulu et on va appeler ça petit Mike Bravo. Voilà, allez, un petit virage à 10 degrés. En fait, il est même légèrement à gauche en retrait. Delta Echo, voilà. 5 Delta Echo. On les voit bien les gorges, t'as vu, regarde là. Ah ouais, ferme. Allez, Fox Maxime, libérer les 292, après s'il y a possibilité de prendre sur les gorges de la ville. Oui, c'est approuvé Maxime. Merci beaucoup. Allez, on va le cours des gorges. Ah, à peu près. Reçu. Tu vois ce qui est... C'est que t'es chiant sur FS. C'est que quand tu lâches le volant, l'avion il revient toujours droit. Oui. Tu vois? Alors que dans la réalité, si tu inclines, bah tu restes incliné. C'est ça. Regarde. On est 5005 là? Ouais. Ah ouais.
pas plus tard, je me mettrai en retour de force. Ouais, mais là, on va faire demi-tour, là, et puis tu vas le prendre. On va aller sur Mio, là. Montpellier Info, Fox Hotel Delta, Delta Golf, good morning. Fox Hotel Delta, Delta Golf, Montpellier, bonjour. Good morning, Diamond G40, what's the person from Alès to Montpellier. Currently at 2500 feet and approaching November. C'est la Méditerranée? Les salins? Ouais, c'est ça, c'est de morte. Négatif, Delta Golf. Roger Delta Golf, just confirm your present position, please. Above November. Please cork 7050. 7050. Ah oui, il y a un resto là, ouais. Il y a un hôtel restaurant, regarde, regarde, ah ouais. Penche, regarde. Tu le vois là? Oui, oui, oui. Juste là. Non. Donc la prochaine route, ça sera 274. Ah, de suite hein? Ouais, ben quand on a fait le virage, on repart vers l'ouest, quoi. Ah ouais. Comme ça, ça te va? Ouais, ouais, vas-y, c'est bon. C'est Delta Golf. Ouais, un petit virage. Parlez, comme ça. Speak, Fox Delta Golf. Tower 118, décimal 775. Enfin. Sector Tower 118, décimal 775. Allez, voyez, allez, voyez. Allez, voyez bien, hein. C'est l'endroit. Ce qui est bien, c'est que tu vois le côté là, t'as toutes les Cévennes. Ah, regarde, il y a Mike Siram en bas. Ah, ouais. Mike Siram, ouais. Il est juste là. Écoute, vous pouvez remonter 4000 pieds ou pas, hein. Bah écoutez, nous, ce qui nous arrangerait, c'est de maintenir l'altitude actuelle, sinon on est un petit peu plus haut, quoi. Alors, Sierra Echo, j'aimerais que vous montiez au minimum à 4000 pieds, parce que j'ai un appareil qui est établi en finale, en cas de remise de gaz. Il sera que 1000 pieds en bas par rapport à votre niveau. Bah écoutez, on va remonter sur cet axe à 4000 pieds. Monsieur Sierra Echo, montez et maintenez 4000 pieds. On remonte et on maintient 4000 pieds et on fait une virée par la gauche. Juliette Roméo, Sierra Charlie, c'est également pour quitter. J'arrive, j'approche sur. Ouais, Patrice, sur 123.45, je suis ici au-dessus de toi, c'est un visuel qui est devant moi. Ah, ok, on va faire un 360 sur le cirque. Voilà, alors, maintenant, 274. Tu vas le voir dessous, Mike Sierra, regarde. Donc je confirme, le Sierra Echo, on est stop 4 métiers, donc on vire au 4240 par la gauche. Si, c'est bien copié Sierra Echo. Tu vas le voir, le plan 28, tu vas le voir. Contacté à tour 118-775, au revoir. 118-775, mec, bravo, au revoir, merci. Tu le vois? Regarde, il est là. Ah ouais, viens. Ok, visuel. Fox Yankee Alpha, contacté Camargue 127-225, au revoir. Ça marque sur combien? J'ai pas entendu la fréquence. 127 décimales 925, au revoir. 129 et 125, merci Alpha, au revoir. Merci. Montpellier Info, bonjour, du Fox Golf Charlie India Juliette. Allez, à toi. Vas-y. Fox Golf Charlie India Juliette, Montpellier, bonjour, je vous écoute. Fox India Juliette, des éoliennes, provenant de Lyon et destination de Montpellier. Là, on voit des éoliennes. Et à droite des éoliennes, les très blancs que tu vois, c'est les piles du pont, d'accord. Le milieu. Donc on, tu prends le milieu, le pont. Non, non, on va aller plus à gauche, tu vois. Plus à gauche, on va faire un virage à gauche, on cherche la vertique, on cherche la couverture rade, ouais. Le terrain, et ensuite, cap à gauche. À gauche ou du pont de milieu, alors. Ouais, même avec, quand on a passé la verticale du terrain, c'est un cap à gauche. D'accord. Contacté directement. Donc là, tu veux lui faire la verticale milieu. Ouais. 300 Yankee Alpha, au revoir. La gauche. Donc c'est descend, Papa Hotel Tango, contactez-moi sur 134 375. Ah ouais, Fox Hotel Tango, on est sur 134 375. Très bien, poursuivez. Bon, parfait. Vas-y, tiens les manches. Calme, faut pas se crisper. Je vais mettre le trait là, voilà, tu suis le trait. D'accord. Donc tu vois, c'est à peu près ce cap là. Au fond, tu vois, il y a les piles du pont. Et bien tu vises les piles du pont là. Alors, ça va t'amener sur le terrain de Mio, tu vois. D'accord. On y est dans 8 minutes. Hein. Par et contre, là on descend. Pour rester au-dessus de 55.
les ailes à plat. Ah, c'est pas évident, hein, tenir un avion en palier, c'est pas évident. On peut dépasser un cours pour reprendre 3900 sur axe. Vous voulez quelle altitude? Bah écoutez, 3900 pieds, ça va vous inspirer bien. Est-ce que tu pouvais tirer écho? C'est cool, hein. 3900. Ok, c'est bon. On est juste à hauteur des nuages. Ouais, c'est juste au rang, ouais. Donc là, tu tiens un peu plus fort le doucement, parce que ça va remuer. Ouais. Le nuage, il va essayer de nous aspirer. Léger, là, mais... Effectivement, ça... Voilà, ça, on reprend à gauche. Bah les piles, il faut vraiment les remercier. Donc les zones D192 ne sont plus actives. Ah cool, alors du coup on va rester en espace golf à 3500 pieds. Je suis dans le relief, je suis en rappelez stable 3500 pieds. Elles sont plus actives. Rappelez stable, nickel, bah de toute façon on les coupe au plus maintenant alors. Ouais. Par contre là on pourrait descendre si on veut là. Ouais, on va descendre. La couverture rad. Alors attends, je vais regarder déjà Mio. La verticale Mio, c'est combien? La verticale du tour de piste est à 3008. 3008, ça donc, fait 4003. 4003, ouais. On va descendre 4005 déjà? Ouais. On peut dire quand on descend? On reste comme ça, c'est pas grave. Même si tu manges au nuage, c'est pas grave. Fox, Tango de Vampre, 5500 pieds. On souhaiterait libérer pour 4500 pieds. Tango novembre, reçu information de la zone R169 active, c'est juste au nord de Millau. Et les D192 viennent de se désactiver. C'est bien pris, merci monsieur. On peut laisser un écho, on virage par la droite, 4060. Reçu, c'est un écho. R169, elle est toujours active. De toute façon, c'est la zone qui est à droite, c'est le camp militaire que tu vois à droite là. Ah, donc oui. Ça, c'est actif. Ouais, mais lui, on n'y va pas donc. On n'y va pas là. Exactement. On ira à gauche et quand on sera sur le terrain de milieu, justement. Allez, on va descendre doucement, tranquillement, là, parce que là, on va se taper le nuage. Hein. Non, mais ça va, doucement, crispe pas, là. Regarde. On peut prendre le nuage, on va pas mourir, on voit à travers. D'accord. Pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est traverser un nuage dont tu connais pas l'épaisseur. Oui. Là, c'est du fracu, c'est pas dangereux. Tu vas voir ce que ça fait quand on est dedans, on voit rien. Montpellier de Fox Piper, pour information, on fait rien de route sur la couverture radio, on contournera la ville de Millau par l'ouest. Oh, je suis Max Serra, donc pour vous également, fin d'activité des D192. Ensuite, la R169 est active jusqu'au niveau 100, c'est juste au nord du terrain Millau. Et donc, vous êtes maintenant tous les deux en espace de classe golf, donc plus la peine de m'informer des petits changements de trajectoire. C'est parti, Fox Maxima, mais des copies pour la 69 et en matière de fréquence néanmoins. Après vertical terrain, on ira où? Ouais. Vertical terrain et ensuite on va au 270. Ok. Pour 3 minutes. Ok, au bout. On va arriver vertical du terrain de milieu. Ça peut être le Tango, appelé pour la descente. Ça c'est le hôtel Tango d'ici 3 minutes. Bien sûr. Donc on descend jeune sur Alpha. Commence à voir le pont là-bas de Millau, tu vois. D'accord. En fait, en faisant ça, il y a un intérêt, c'est qu'on va passer dans la deuxième fois. Bravo Lima, Tango Alpha Today. Bravo Tango Lima Alpha, it's at 7,000 feet, you get to climb to 5,500 feet direction Montpellier. Roger, Sagan requested altitude? 5,500 feet for the Lima Alpha. Roger, climb 5,500 feet. Tu le vois,
Fonctionne très bien, kilo, TP 20. Là, c'est l'autoroute. Ouais. La piste, elle est dans les deux S de l'autoroute. Comme ça. Regarde, on va y aller dessus, là. Voilà. On voit le peigne. Ouais, ça fait 30 degrés à gauche, quoi. À ce moment-là, si tu peux te déporter légèrement à droite du terrain pour que je puisse te filmer à gauche. On va tirer légèrement à droite, là. On va descendre 3500 pieds, 1017. 3500 pieds, 1017. On va pas mordre, dès qu'on est là, on vire de suite. Hein. Pas trop fort. Voilà. Attention, après, il y a le tour de piste. Hein. Faut pas qu'on tamponne les avions qui tournent. Hein. Oui. On est à combien, là, 4006? 4006, là. Tu m'as dit, c'était 4003. Ouais. On a 300 pieds de rab là. Voilà. Allez, on descend plus, c'est parfait. Voilà. On est en train de monter là. Hop. L'avion il vole tout seul hein. C'est comme un bateau, t'as pas besoin de forcer, il vole tout seul. Faut juste lui faire des petites corrections. Parce que si tu gardes rester crispé, tu peux pas faire ça. C'est décadré, ouais. Voilà. Allez, on va ouvrir un petit peu pour qu'il puisse se filmer. On va faire un virage comme ça en fait. D'accord. Ouais, j'exagère. Mais... Voilà, le terrain il est juste en bas. Ah, ça y est, j'ai un visuel sur la feuille. On va rester comme ça. On vise le pont pour l'instant. Le pont militaire est à droite, tu vois. Ça c'est interdit de survol, ça. Ouais, mais il est assez loin à droite. Dès qu'on est là, on va faire le virage. Ah putain, on se fait secouer quand même, hein. Ah oui, non, bah... Ouais. Bah ici, ça remue tout le temps. Approche, Enox Foot 685, good day, en route to Mike Echo November 5780. Allez, on commence à tourner doucement, là, voilà, gentiment. On va éviter les éoliennes, 685, bonjour, continue à l'ouest. Voilà, c'est parti. Continue à l'ouest, Enox Foot 685. Quand on arrive à 270, tu bétonnes, hein. Hôtel Lima Alpha, contact 5,000 feet. Voilà, c'est bon. FM climbing 5,500 feet, Hôtel Lima Alpha. We have poor performance today. La verticale Mio. Les 20, l'on monte là. What will be your route inside the Montpellier airspace? Bon là, 270 feet. Lima Alpha, what will be your route after Fréjorg? En 270, voilà, c'est bon. Juliet Romeo, petit tour, Tango Lima, Tango Paris, Charlie Bravo Yankee. Roger. Comme de la marche topo, hein, c'est pareil. Vous visez un point, je prends un cap, 270, paf, le point, c'est là la montagne, je vise ce point. Les instruments, il ne faut pas trop les regarder. Hein. Ah là, on voit déjà le pont là-bas. C'est le pont qui est là? Eh non, je regarde pour le pont tout à l'heure. Ah, voilà. Next call 685 after Mike Echo November, set course direct Afrique. D'accord, Echo November will set course direct Afrique, next call 685. Ok, là tu bouges plus du tout là, c'est nickel. Voilà, tu vises ton point, tu gardes ton altitude, voilà. Tu gardes ton cap. On fait l'info du Foxina Juliette, on est stable à 3500 pieds. On rentre le village, s'il est bon celui-là. Pad. Fox, Hôtel Tango, contactez la tour de Montpellier sur 118 décimales 775. 118 775 pour Hôtel Tango. Ça se cul. Ok. En fait, on est sur une petite vallée là. Ouais. Toi, tu restes sur le côté gauche de la vallée. Ouais. Donc ça, on voit bien le centre et c'est ce que je cherche. Ouais. Donc à la rigueur, si t'as des bordures légèrement à gauche, tu peux t'y mettre et ça sera parfait. Le pat, ouais, décale un peu sur la gauche, s'il te plaît. Fox, Québec, Kilo, Roger, which altitude would you like? If it's possible, with the latitude descend to 1,500 feet. Hey! I copied 1,500 feet, report reaching Québec, Kilo. Ok, décale un peu à gauche, s'il te plaît, Patrick. À 10 degrés à gauche là. Voilà. Et bien, nickel. Voilà, on continue encore un peu. Voilà. Et bon. Voilà. Et reprends le 270 maintenant.
Nickel, regarde le petit village qui est à droite là. Il sera un petit perron rocheux. Sorry, can you say again Québec kilo? Say again, Québec kilo? Voilà. I cannot hear you, Québec kilo. Read you three... Tu connais Annie? Ça? Annie? Non. Elle dit, on attend de vous voir, mais sommes un peu cachés par les arbres. Ah oui, d'accord, ok, si c'est d'accord, toi. Québec kilo... Il est qu'on est vertical, là. On arrive. Descending to 1,600 feet to Béziers. Okay, Quebec Kilo, you're going to Béziers. I thought you were going to Montpellier. In that case, squawk 5460 and descend 1,600 feet. Approved, you are on uncontrolled airspace. Squawk 5460 and descend to 1,600 feet. Approved, you are on uncontrolled airspace. Québec Kilo, our final destination is Montpellier, but via Béziers, we said we were doing a touch in Béziers first. Roger, no problem. Really? Voilà. Ils sont en dessous, là. D'accord, on s'est établi au cap 060. Sir Echo, cap 060, copié. Voilà. Je vais lui faire une photo, mais je sais pas ce que ça va donner, hein. Ah merde, on peut dire ça. Juliette, on se fait descendre 2500 pieds, Grenache 17. Possible, Fox Golf, Charlie India, Juliette, descendez 2500 pieds. Descendez 2500 pieds, Possible Juliette. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Voilà, ouais. Alors quelque part, sur ton avant gauche, tu as Roquefort. Ouais. Sur l'avant gauche, là, t'as la ville de Roquefort. Là, c'est en dessous du plateau, là, c'est la ville de Roquefort, juste en dessous, là. Vu. Voilà Patrick, maintenant tu vas pouvoir faire un virage à droite, 90 degrés. Oui. Allez, à toi de jouer. Voilà. Parfait, tu passes en face à droite, tu passes à gauche de la petite montagne qu'on a devant nous en dessous là. Là tu vises légèrement à gauche pour voir le pont à droite. C'est parfait. Et là je commence à voir le pont. Allez, j'envoie les photos. Là, ça mitraille, hein, enculé. On y approche, 9 cool 6-80 Charlie, bonjour, Molène, 9 cool 6-80 Charlie, bonjour, pour route Molène, novembre golf. Prévoyez... Pour les problèmes, passer au-dessus du pont, hein, il faut rester à gauche, hein. Voilà, maintenant tu vas sur cette axe-là, comme ça, qu'on voit bien le pont à droite. Nîmes, suivi un stop and go sur la piste et un départ pour Montpellier, sous 680 Zoulou. Reçu, je vous rappelle. Voilà. Nickel, Patrick. Bon. Ouais. 19-6. L'approche Fox Uniforme Delta, bonjour. Fox Uniforme Delta, bonjour, identifié radar, maintenez 3000 pieds atteignants. Maintenant, 3000 pieds atteignants, Uniforme Delta. Fox Québec Kilo, radio check. Voilà. Disregard. C'est parfait tout ça les gars. Juliette, contact tower 118.2. Pardon, India Juliette, contactez la tour 118.2. Oui, on contacte tour 118.2, faut qu'il y ait Juliette. C'est le top. La 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 la. Ah, c'est une super expérience. Et ouais, la ville de Millau. Ah ouais, Millau, mais le pont. Allez, petite... Attends, je vais zoomer quand même, parce qu'il en verra rien. Allez. Hop là. Hop. Hop. C'est magnifique ce pont.
les bâtiments gris à gauche. Oui. Voilà. Là, c'est les maisons à gauche. Je vous ai pris en voiture, c'est votre trajectoire. 90 à l'heure. Ferrand, tu m'entends? C'est une émission permanente. Bah ouais, pour toi, c'est pas une émission permanente, c'est bizarre. Ah, entendu parler des maisons grises, etc. Sur... Ah, mais c'est même pas moi qui parlais, hein. Ah, excusez-moi, alors je croyais que c'était vous. Non, non, on n'est pas tout seul. Bien, là. Ah, ça faisait un moment qu'on vous appelait, ouais. C'est parti où, là? Bon, Allez, petite photo. Super, on passe avec 4. Allez. C'est parfait. Hotel Zulu Uniform. Impeccable Patrick, impeccable. Bien. Alors virez à droite, je vais te donner la route à peu près là. Termine la séquence. Tu peux commencer à obliquer les jambes sur la droite. 20 degrés à droite. 20 degrés à droite. Ouais, pour commencer ça sera bien. 360 Faut toujours rester à gauche de l'autoroute quoi qu'il en soit. Tu la vois l'autoroute devant? Ouais. Faut toujours rester à gauche, pardon. À gauche de l'autoroute. Avec Kilo, vous maintenez 4000 feet. Pour l'instant, parce que sinon on va rentrer dans les zones. Hein. Ouais. Là t'es parfait. Voilà. Sans faire une petite dernière quand même. Québec Kilo, contact BZ Tower 120.175. Dire qu'on y est passé dessous autour de France. Dessous même, il n'y a pas les panneaux, ils ont été enlevés. 2000 feet, Québec Kilo. Merde. Admire un peu quand même, Patrick. Je te tiens les commandes. Regarde un peu le poste, tu veux le demander. Vas-y. Scania, bonjour, vous êtes sur la bonne fréquence. 4500 pieds, c'est noté, en route vers Carcassonne. Fox Scania, affirme. On va faire un direct à l'FNB. Magnifique. Voilà, tac, vas-y. Tu suis le tri rouge. Le tri rouge. Il va arriver, il va arriver. Paf. Ah, voilà. Voilà. Okay. Donc, pour l'instant... 371. Je vous écoute. Pour l'instant, il faut contourner le vide. Il n'est pas arrivé encore. Vous restez à 15 pieds, confirmé. Ah, mais si, elle est là, la vie des bio. Je suis trop. 14 et 15 pieds. Ouais, mais si, c'est bon. Dernier, pour information, on directement là. Secteur immédiat, nord, pour un ou deux nautiques, à peine minuit. On y est dans 20 minutes, Amanda. La mue, hein. Oui, la zone est au sud, c'est bon, là. Là, on passe au milieu. Donc on passe au nord de milieu, c'est parti. On est bon, là. Allez, ok. Ça change des commandes FP3D, hein. Ah ouais. Ouais. Camion, j'écoute. Ouais, on cite le traiteur. Ça fait retour de force ou quoi? Hein? Ça fait retour de force. Ouais. Camion, vous pouvez. Ah, je vais m'en prendre mal. Ça change, hein. Ah ouais. Vraiment, pour avoir les vraies sensations, il faut le yop. Oh, ça coûte quand même 1500 boules, hein. Ouais, ouais. Montpellier Info du Fox Golf Novembre au Québec Alpha Romain. Et franchement, c'est top du top. Hein. Fox Golf. Mon chef Brunner, là, il paraît que c'est magnifique. Bonjour, ouais. Fox Québec Alpha. On t'a vu passer loin de la maison. Tu es passé au-dessus du rocher du Lyon. Ouais, c'est ça. À 3 minutes de première du point novembre. 2500 pieds reçus, Québec Alpha. Vous avez un... Non, le trafic est plus de 1000 pieds en dessous. Vous rappelez pour la descente, Québec Alpha, FHC 70-50. Ça, c'est l'autoroute de Millau qui va à Paris, quoi. D'accord. À Clermont. Donc à droite, t'as les sonnettes, Patrick. 50 au transpondeur, on rappellera novembre et Francona, on avait visuel sur le trafic, c'est pas du Québec Alpha. Oui, ça, c'est le parc des Cévennes. Donc ça, c'est interdit de survoler. Ça, mais pas que Québec Alpha. Mais si, t'as le droit, mais alors il peut survoler ça de altitude. Par contre, là, il y a une zone à la con. Attends, c'est quoi? Ah non, mais c'est la zone R, non, j'ai rien dit. Moi, sur le log, j'ai marqué 5500, là, pour la dernière branche.
Ouais, parce qu'il va falloir faire la verticale à 4009. Fox Sky Ranger, vous quittez la fréquence transpondeur 7000. Là, il y a des nuages, donc on va pas faire de nuages. On quitte la fréquence transpondeur 7000, au revoir. Ouais, de toute façon, l'attitude de sécurité, c'est 4000. Information Fox Golf Kilo Uniform Fox, écoutez. Fox Golf Kilo Uniform Fox, écoutez. Squawk 7040, safe position. Squawk 7040, and we are leaving the city of Perpignan to Pamiers. Pamiers, you are in the west of the city of Perpignan, I don't see you. We are west of this of Perpignan. On voit qu'on a des 7040. And altitude at discretion to the west. Good, thank you. On va essayer de tirer droit, comme ça, regarde. Hop, essayer de pas trop zigzaguer, quoi. Ça nous fait perdre, enfin on n'est pas pressé mais ça nous fait perdre, on fait du kéro quoi. Ouais. Donc là ce qu'on va faire, on va monter à 5000 pieds. Donc là c'est puissance. Bravo vite. Bonjour. Voilà. On tire au droit, on monte au droit. Carindia, c'était Louise Montpellier. On va aller chercher le 2009, 89. Dès qu'on a la 89, après on va réguler notre vitesse de montée. Québec Alpha, je n'ai pas votre numéro de Charlie, la decoder. Vous le branchez s'il vous plaît et contactez la tour de Montpellier 118 décimal 775. Voilà. Voilà, 89, on c'est bon. Sur 118 775, Québec Alpha. Et pour info, le transpondeur était bien branché, on a un petit problème de transpondeur apparemment. Voilà, vous rappelez bien votre attitude régulièrement. Pas trop on rappellera avec notre attitude régulièrement. Tu devrais te détendre, hein. Ouais, non, ça va. Non. Alors attends, bouge pas. Oh, voilà. Ouais. On va se mettre du compensateur. Voilà, nickel. Moi je vais mettre un peu de pied parce qu'on ne tire pas à droite. Hein. Voilà. Donc 89, vitesse de montée, c'est parfait. Là on monte. Hein. L'altitude voulue, c'est laquelle? On va prendre 5000. Est-ce qu'il faut faire à la verticale à 4009? Et si on monte trop, on va s'empêcher des nuages. On va revenir légèrement sur le trac là, doucement. On est en montée, donc il faut faire des virages à faible inclinaison. Sinon, on va dégringoler là. Voilà, on vire un peu. Plus on s'éloigne, plus après il faut revenir. Hein. Voilà, c'est pas mal. On va se prendre un point de repère face à nous. Donc on va dépasser un petit peu les 5000 légèrement. MyCost Tango 371, vous poursuivez le long du trait de côte. Le long du trait de côte et on va rentrer dans la 7 RBG pour passer avec eux. Reçu, avant tout ça je vous informe d'un appareil dans le palier. Nautique, voilà. Pour l'instant il fait route vers l'ouest, il est sans pied bas, c'est un appareil léger. Peut-être qu'il est avec il est peut-être avec Béziers. Donc contactez Béziers 120-175. Ouais, c'est copié pour l'information pratique. Tu vois, il prend un peu. Donc on passe en descente. Hein. Donc ça, on tire les deux doigts. On va tenir 5000 pieds et on tire tout droit. C'est Comac, bonjour. Un quart d'heure. C'est Comac de retour d'Aubenas pour Montpellier sur la 30 droite. Ah, on descend, tu vois. Oui. Et Comac, un message complet, s'il vous plaît, moi je... Il faut que l'horizon au fond, le haut des montagnes, par rapport au capot moteur ici, là, tu vois, ouais. Il faut que cette distance-là, elle reste toujours la même. D'accord. Si elle réduit, c'est que tu montes. Si elle augmente, c'est que tu descends. C'est ça. Donc tu te prends un repère, là, le ça, ce que tu veux. Il faut que la distance soit toujours la même. D'accord. Ça te permet de réguler ta montée, ta descente. Et tu regardes un petit coup d'œil à ça de temps en temps. Mais attention, ça, c'est faux, parce qu'il réagit après coup. Ouais, voilà. Donc si tu suis là, ça, tu seras toujours en retard. D'accord. Voilà. Et là on est parfait. Quelques turbulences. Ah ici toujours hein. J'ai pris la zone, le champ là-bas. Un peu clair, tu vois. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais. Je pense que Mande. 14 minutes. Ouais, mais c'est. Mande, ça sera bien. Tu vois, il y a le dernier relief au fond. On passe légèrement à droite. Ça sera le nouveau relief. Ouais, légèrement à droite, ouais. Ah ouais, on est nickel, là. On est parti il y a une heure, déjà. Ah ouais. Ah ouais, ça va vite, hein. Oh ouais. Ça défile, hein.
Ouais, et on a 20 minutes. On a 12 minutes plus 10 minutes d'intégration, donc on est posé dans 25 minutes. Donc on aura volé 1h30. Ah ouais. au lieu de 45. Ah ouais. Ah ouais, non mais... C'est sûr, hein. C'est sûr, sûr, hein. Eh oui, parce que le détour qu'on a fait en Avacelle, on a perdu au moins 10-15 minutes, là. Ah oui. On a dû perdre... On a dû prendre 5-7 minutes, ouais. Ça peut être la montée... Ça, c'est impossible, on peut jamais... Jamais respecter. À cause de la zone militaire, là... C'est impossible. En dessous à droite là. Oui. L'eau elle doit être fraîche là en ce moment. À mon avis, ça va être la piste 30. Hein. Normalement, le vent il vient de l'ouest là-bas. Ouais. Il y a une piste là-bas. En venant de l'ouest, ça sera la 30, à mon avis. A priori, ouais. Donc, de toute façon, on va faire la verticale et on va revenir comme ça. Bon, en principe, il y a un affiche, hein, il va nous le dire. Ouais. À l'heure où on va arriver, à mon avis, on va voir. Si ferme à midi, on est bonne année. Ouais, regarde ça à droite là. Yeah. Ah, c'est joli là. Alors 11h30. Ça fait midi 30, ah ben non, il risque d'être ouvert. On se fait balouter, hein. C'est beau là. Ah ouais, là c'est joli là. C'est balouté. C'est le Tarn ça alors. Ouais. Ah bah là après les gorges de l'Hérault, on fait les gorges du Tarn. Ouais ça y est, je vois où il est le terrain. Il est là, droit devant. La ville de Mende, elle est en contrebas là, on commence à voir les bâtiments. Il y a un petit relief devant nous là, en plus bas, et à gauche il y a des habitations. Ouais. Ça, c'est la ville de Mende ça. Et le terrain il est à droite là, donc ouais c'est ça, c'est bon. Dans 19-6. Ah ouais. On va quitter Montpellier. Voilà, et à 7 minutes, 8. Ouais, ils vont vouloir nous garder peut-être, quoi qu'on a en golf ici. Hein. Combien la température là? La température extérieure? 10. Ouais, tu vois, c'était prévu hein. 10 degrés, ouais. Ah, on sent qu'il fait frais. Ah oui, en altitude. C'est la clim naturelle alors. Ouais. Allô. Le vent est à combien là? De distance? Ouais. On a 7 minutes 50. J'ai pas mis le lentique là. On est à quelle vitesse? 100 nœuds. La direction du vent elle est de combien là? 7, 8, 16, 16, 20 nautiques on doit être. Hein. Ah. Par contre, il faut tirer un peu sur la droite là. Le terrain il est plus à droite. Hein. Regarde, tu vois, il y a une zone là où il y a des bois. Et une zone qui est déboisée sur un plateau là. Ouais. Là, tu peux viser ça. Le terrain en fait il est à droite là. Voilà. En fait, il y a une zone boisée. Sur le plateau, il y a une zone complètement déboisée. Ouais. Et si on continue, on voit des zones déboisées un peu... C'est la piste, ça. D'accord. Allez, c'est vraiment sur un porte-avions, hein. Ouais, on va à la droite façon porte-avions, là. Ouais. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais quitter... Vas-y, garde. Je vais quitter Montpellier.
On va attendre encore 2 minutes. Ouais, 7 minutes là. Ouais, 6, peut-être 6. On va viser encore un peu plus à droite avec. Vraiment, voilà, ça va, bouge pas. Voilà, parfait. Là, on est bien là. On est à 110 nœuds en vitesse sol. 110 nœuds en vitesse affichée. Donc on a quasiment pas de vent quoi, c'est bon. Et la piste elle est devant nous là, sur le plateau, légèrement à droite. Là on va sur la ville de Mende. L'aéroport il est plus, je t'y amène moi. Voilà, il est là là, le terrain il est là. Alors, je vais cette merde là. C'est la piste en vert là. Ouais c'est c'est au fond là-bas. Hein. Ah oui d'accord, ça y est, ouais. Ouais. Et oui, il y a la zone déboisée au fond là-bas. Ouais. Il est pas ultra en dessous là. Excellent, j'adore ça. J'adore ça. Montpellier, Fox Tango Novembre. J'ai peur qu'on les ait perdus. Hein. Ouais, de Fox Tango Novembre, je vous reçois pas Montpellier. Il est bien, bien trimé là. J'entends plus Montpellier moi. Québec Echo. Ah ça y est, je l'entends. Québec Echo. Si vous arrivez à faire le rôle avec le Tango Novembre sur Mende et lui dire de quitter, ainsi que Mike Sierra. Mike Sierra et Tango Novembre de quitter sur Mende. Ok, Tango Novembre et Mike Sierra, je leur dis de quitter sur Mende. C'est bien pris pour Tango Novembre, je reçois maintenant la tour. On quitte la fréquence et on file sur Mende. Merci monsieur. Tango Novembre, merci, vous faites le relais pour Mike Sierra, votre collègue là, qui est dans votre travers droit pour 4 nautiques dans notre trajectoire et même altitude, vous lui dites de quitter. C'est bien pris madame. Vous allez où Tango Novembre parce que j'avais écrit Mende. Mende, Lima Fox, Novembre Bravo, on a les installations en vue pour passer avec eux et s'intégrer et faire une finale. Reçu. Eh bien 7000, au revoir. 7000, merci madame, bonne fin de journée, au revoir. Montpellier, info de Fox Hotel Delta et de Fox, bonjour. Ouais, on est à Saint-Denis-Mi là. Ok, la tour nous libère, enfin, le SP Montpellier nous libère, on peut passer après directement avec Mende. Nous on est à 4 minutes de la verticale de Mende. Bah nous on fait des photos à Saint-Denis-Mi. C'est bien pris. Alors, 119.6 hein. Allez, 119.6, ouais. C'est parfait. Donc on va appeler à 3 minutes de la verticale hein. Alors, quand on fait une verticale, le truc qu'il faut vérifier pour le plan, deux choses. L'altitude de survol, oui. Donc c'est 4004 le tour de piste, plus 500 pieds de marge, donc on est à 4009, pour 5000 on est parfait. Oui. Et la deuxième chose, on regarde où est située la manche à air. D'accord. Parce que la verticale c'est aussi pour regarder d'où vient le vent. Pas que, mais surtout pour ça. Alors, est-ce qu'il y aura un affiche ou pas aujourd'hui? On va voir. Allez, on a 3 minutes. Mende de Fox Tango Novembre, bonjour. Ah, on a vu. Ça sent le boudin. Mende de Fox Golf Bravo Tango Novembre, un Cessna 172 en provenance d'Avignon. En transit par Millau, 3 personnes à bord. On est à 3 minutes de la verticale de vos installations, 4900 pieds, QNH 1017. On rappelle verticale Mende pour un complet. Sur vos installations, on vient de passer Saint-Denis-Mi, 5000 pieds vers la verticale. Ok, bon. Elle est en travers, ouais. Ouais, voilà, c'est parfait là. Alors,
La Manche, la Manche, la Manche. Ok. Ok, tu vois les installations ou pas là? On voit les hangars face à nous là. Oui, oui. Voilà. Donc en fait, on a vu que la Manche, elle est au pied de la tour. Oui. Donc nous, on va viser les bâtiments. Alors. Comme ça, moi, je verrai la Manche de mon côté. Donc okay. Il faut laisser les bâtiments légèrement sur notre gauche. Donc il faut qu'on aille chercher à droite. D'accord. De toute façon, on va se poser vraisemblablement comme ça. Donc on va faire un virage comme ça, on va revenir sur nos pas et on va venir se poser. D'accord. Parce que là, c'est une main gauche. Et le cap est parfait. Allez, c'est en vue. Ouais, je commence à voir la Manche déjà. C'est bon. Bon, c'est la piste 30. Hein. Et comme on va légèrement de travers. Ouais. Tu vois la piste là? Ah ouais. Ouais, c'est bon, j'ai le visuel là. La Manche, elle est pour la 30. Hein. D'accord. Fox Bike Sierra, on arrive à une minute de la verticale, 5000 pieds. Voilà, je le récupère là. Je vais te le récupérer. Fox Tango Novembre, on est vertical 5000 pieds, QNH 1017 demande. On va se reporter pour une vente arrière, piste 30, main gauche. Bon, ça va. Et Max Sierra, on a visuel sur toi. On est déjà en vente arrière, main gauche pour la 30 à ce moment-là. Ouais, le vent est bien dans l'axe. Excusez-moi, j'étais en conversation avec les équipages d'Abiche 350 au sol. Vous m'appelez vos IMAD complètes, s'il vous plaît. Fox Golf Bravo Tango Novembre. Et c'est le Fox Hotel Eco Mike Sierra. On est en vente arrière pour la 30. En fait, Sierra Mante, c'est la piste 30 en service. Le vent en 300 degrés, 10 à 13 nœuds. La visibilité 10 km. Nuage épars, base non communiquée. Le QNHUT 022. Vous me rappelez en finale à l'arrivée, piste 30. QNH Unity 022 et on rappelle en finale 30 Mike Sierra. Ah, je veux trouver bien haut. 1022 au QNH, on rappellera finale 30 Tango Novembre numéro 2. Tango Novembre bien aussi. Vous me trouvez bien haut, effectivement le QNH est plus fort ici. Pour faire un calage dans ces cas-là. Ah ben oui, 1022. D'accord. J'ai recalé l'altimètre. Ah, je le vois pas, Mike Sierra. Ah si, ça y est, c'est bon, visuel, il est là-bas. Pas de vent arrière. Ouais, pas de vent arrière. Il vire à base, là. Pile à gauche dans l'aile. Prolongement de l'aile. Voilà, il est en virage à gauche, là. Ok. Et il est passé devant ou derrière le mamelon? Milieu mamelon. D'accord. Mike Sierra, on passe 30. Et voilà, ça c'est le problème des ailes, c'est que là tu vois plus rien. Oui. Inconvénient, ouais. Alors donc, 30. Gueulez. Mike Sierra Mante pour votre dernier virage à l'arrivée piste 30, le vent 300 degrés, 8 à 13 nœuds, rappelez piste 30 dégagée. On a copié le vent et rappelle la piste 30 dégagée, Mike Sierra en virant dernier virage. Effectivement, j'ai un visuel là, juste en bas, c'est gelé, gelé, c'est bon. J'allonge un peu ma vente arrière. Ouais, c'est bon. Bon, il est quelque part au milieu là. Il est dans l'axe de notre aile quasiment là, je le vois. Ouais. Allez, ça y en a l'altitude de tour de piste, 4004. Ah putain, il part sous l'œil. Hop. En application.
Toujours vent arrière. Ouais, ouais, il est quasiment... Il a passé l'entrée, là. Ouais. Il est en mi-finale, là. Ouais. Regarde même qu'il est en courte, même. Hein. Ouais, là, il passe en courte, là. Ressort Tango Novembre, on est en position. Allez, on tire à Tango Novembre, on est en début d'étape de base. Alors Tango Novembre, je vous rappelle. 92. Ah, ça il va poser là. Ça il pose. Ah, je sais plus où est le terrain là. Quand tu connais bien le terrain, tu peux passer avant le mamelon. Ah oui. Ça t'oblige à faire une base vachement rapprochée quoi. D'accord. Alors comme c'est un terrain qui est un peu merdique hein, et que souvent le vent est dégueulasse, ouais, il vaut mieux arriver un peu haut pour éviter de se choper les rabattants quoi. D'accord. Donc moi je peux te faire carrément une bonne longue finale, tu vois. En plus il y a un avion qui se pose, donc le temps qu'il se dégage, la piste et tout, voilà, c'est ouais, même plus safe quoi. Hein. J'ai pas envie de faire une remise de gaz parce que je suis trop pressé et que j'arrive trop derrière lui. Ça fait, ouais. Allez, ah, la finale est dégagée. Ok, on vient. Allez. Ça va être dégagé, Fox Mike Sierra. Ressentement Mike Sierra Mande, je vous laisse quitter en arrivant au parc, au revoir. Merci, tout à l'heure. Tango Novembre, dernier virage pour un complet. Fox Tango Novembre, devant 342 degrés, 8 à 13 nœuds, rappelez piste 30 dégagée. On atterrit piste 30, on rappelle la piste 30 dégagée, Fox Tango Novembre. Non, non, Patrice. Non, voilà, bien que la piste fait une bosse, tu vois. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ah, elle est où la piste? Ah, ça y est, trouvé. Membre de Mike Sierra, vous nous suggérez quoi pour le parking le moins gênant pour vous? Alors, vous pouvez vous mettre, donc, si vous pourriez passer peut-être, si vous le souhaitez, entre le Biche 350 et le DR400 qui va être rentré dans le hangar pour vous mettre tout de suite à juste donc, en face du restaurant, merci. Et le permettre au Biche 350 de faire le tour. Ouais. C'est pour t'obliger à poser les roues après les flèches. Après les flèches, parce ouais, que tu pourrais poser avant, ouais, mais si tu poses avant, tu te retrouves, regarde, on commence déjà à choper les rabattants, là, tu vois. Ah ouais. Tu te poses trop près, le risque c'est que tu finis dans les arbres. D'accord. Donc ça t'oblige pour te poser au seuil, à passer suffisamment au-dessus des arbres, ouais, pour pas les toucher si tu viens à choper des d'accord, rabattants. Un vario 700, ouais. Allez. Tu vois comment ça fait, comme ça dégueule là. Donc si tu devais poser les roues au début de la piste, tu finirais dans les arbres. Hein. Oui. Et toujours garder du moteur, que s'il faut mettre un grand coup de patate, ouais, tu que t'es déjà les tours quoi. Là t'as les volets à 20 là. Alors ça paraît pas, mais on est à 130 km/h, hein. On s'en rend pas compte, alors on est plutôt qu'on se traîne mais... Ouah, Phil, super. Ouais, bravo. Superbe. Maintenant, on applaudit. Et il est 55. Bon, les installations. Oui, Maxime, on va rester initialement par là, comme ça on le gênera moins et on bougera après. Tango Novembre, la piste est dégagée, les consignes pour ce parquet. Alors Tango Novembre, si vous pourriez vous placer rapidement donc juste à côté du PR28 parce que j'ai un Biche 350 qui a donc mis en route qui va faire ensuite un 180 de retournement pour le point d'attente. C'est bien pris, merci monsieur. Vous voulez que je me garde derrière le PA? Oui, enfin vous vous placez juste à côté sur sa gauche, je pense que ça ira très bien, merci. Ok, fais le maximum monsieur. Ça c'est du commercial ça hein. Ouais.
C'est un super avion. En train de modéliser. Hey. L'avantage de l'aile haute et l'aile basse, on peut se mettre en quinconce, ça, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais, je savais pas qu'on... Voilà, pour laisser tourner l'autre, c'est mieux. Ah, qui va plat. Allez, la plage de vol. Ça récupère risque. Alors... 16884. Bon, on laisse tourner le moteur quelques minutes, enfin quelques, oui, une petite minute pour le turbo. Un moteur turbo compressé là-dessus. Pas de suite. Et voilà, même pas de suite. Hein. Donc on a volé 1h28. Bah, une la vache. Plus que ça. Bon. 10h40. Ah non, non, 10h40, 11h40, 1h18. Ouais. Oh, ça va. Ça va, ouais. Ça va. C'est enflammé là. Allez. C'était donné pour 52 minutes. Tango Novembre, on est au parking, on quitte la fréquence. À tout à l'heure. Tango Novembre, au revoir, merci. Allez. Bon, ça vous a plu? Ah, c'est super. C'est pas? Ah, bah, excellent. Allez, 3, 2, 1, stop, on va arrêter.